The plume and the pistol. A fitting end to my folly. And a curse upon us all. On est de retour pour plus de Darkest Dungeon. J'aurais dû aller me coucher. J'ai regardé des mods pendant 2 heures. Alors c'est que des mods de skin, hein. C'est absolument que du skin, il n'y a pas de rajout, de triche ou quoi que ce soit, mais il y a eu tellement de skins et tout. Alors j'ai pris pas mal de skins par rapport à Dark Souls, genre par exemple là on avait en garde Dark Souls 2, pardon. Dark Souls 2, après on a le set de Pharal, il y a beaucoup de classes en fait avec le set de Pharal de Dark Souls 2, il est très très joli en plus. Et après, c'est des d'autres que j'ai trouvé un peu comme ça, que je trouvais vraiment sympa. Genre, il y en a qui utilisent le bouclier du gardien en fait en référence. Ils utilisent en fait du coup les babioles qu'on peut trouver en référence pour faire leur skin, donc c'est plutôt cool. Vraiment sympa. Donc, on a Vangarl. On a. Alors, le docteur, c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais c'est une femme. Et du coup, alors, j'ai trouvé des skins sympathiques. Sympathique, il y a plus de détails et moins de vêtements. Mais on va mettre le 9, j'aime bien. C'est plus stylé, c'est ouvert et tout sur les côtés et tout. Donc je trouvais ça sympa. On a Gwendoline de Dark Souls 1 pour l'occultiste. Ah, c'est bête que ça change pas, tiens, l'image en fond. Ah. Tu peux voir, ça change jamais. Ah ouais. Tiens, ils auraient pu faire ça. On a l'Emerald Herald de Dark Souls 2. Et on a aussi une autre version, c'est ça, avec encore le set de Pharal. On a le Hunter de. Le chasseur de Bloodborne. On a encore le set de Pharal pour le croiser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a Ornstein ou Ornstein, je sais pas. J'ai toujours dit Ornstein, il y a des gens qui me reprennent. Je crois que c'est de l'allemand. C'est de Dark Souls 1. Le tueur de dragon là, oui c'est un tueur de dragon. Ornstein j'imagine. Il y a différentes couleurs et après il y a aussi une autre, un autre skin. C'est encore Pharal. Donc vous pouvez faire en fait toute une équipe entière, complète, toutes les classes en fait avec ça. Je crois quasiment toutes les classes en tout cas. Donc c'est plutôt sympa et c'est vrai que ça du coup ça fait comme si ça serait du même groupe et tout ça, de la même armée ou quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi pour le chasseur de primes, on a le Dark Wraith. Je sais pas ce que c'est, je me rappelle plus ce que c'est en français, honnêtement. Mais c'est de Dark Souls 1 aussi, ce qui absorbe l'humanité et tout. Pour le lépreux, on a Giant Dad, pour ceux qui connaissent pas le mime. Oui, moi je dis mime en anglais, je dis pas même, ça fait con de dire même. Pour moi, ça me rappelle les nems qu'on mange. C'est très bon au passage. Mais les mimes. Giant Dad de Only Afro. C'est la personne qui avait créé le build et tout ça et qui avait fait la vidéo. Donc plutôt cool. Il y a des variantes de couleurs et tout. Et après, donc le Chevalier Gaël qui est dans Dark Souls 3, le DLC de Dark Souls 3, le dernier DLC de Dark Souls 3, je crois bien. Donc on a ça, par contre on n'a qu'un seul skin, on n'a pas de variante de couleur ou quoi que ce soit. Mais il est très joli, très très détaillé, très sympa, très 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 cool. Et après je crois que c'est tout pour le moment. Donc ouais, j'ai pas de skin pour le brise-bouclier, l'antiquaire, l'abomination, le maître chien, le flagellant, toi non plus. J'ai vu qu'il y avait encore avec l'armure de Pharam. Donc ouais, peut-être que je mettrai ça à la limite. En gros, c'est un peu pour les différencier. Parce que juste changer leur nom, c'est un peu con. Parce que je sais pas quoi leur mettre en fait en nom. Mais là, du coup, je sais. Parce que voilà, j'ai mis. Genre là, c'est l'armure de Pharam. Donc j'ai mis Pharam. Hunter pour le chevalier et tout ça. Donc ouais, j'ai mis docteur pour elle. Pour le médecin. Je savais pas quoi mettre. Je crois que c'est docteur en allemand. C'est avec un K. Ça fait original. et j'ai deux autres skins. C'est, vous savez, quand on additionne les pièces de monnaie ou alors la nourriture dans l'inventaire, l'icône change en fait. Plus vous en avez, plus ça change. Et ben j'ai ça pour les gemmes en fait.
tout ce qui est gemmes, genre les jades, les trucs comme ça. Donc il y avait ça, c'était sympa, donc je l'ai pris. Et normalement, on devrait avoir un autre skin pour... le feu de camp. Pour le feu de camp. Alors, on avait dit que la prochaine fois... non, on avait dit la dernière fois qu'on voulait faire le boss. Et on avait déjà une équipe de prêtres. Donc, on a le flageolant. On a notre Vengarle. Tiens, Vengarle, je lui ai pas mis... je lui manque un truc. Il y a le Vengarle qu'on va d'abord jouer normalement, en fait. En devant. Et après, pour le boss, on le changera. On le mettra en arrière. Et on en fera un buffer. Et après, on a le docteur derrière et tout ça. Ouais, on est bon. On avait tout fait la dernière fois. Je crois qu'on avait acheté les... On avait augmenté... toutes les armures et tout ça. Donc on est prêt. Il y a juste le Vanguard, je sais pas quoi mettre. Je sais pas quoi lui mettre en plus. Tu perds un peu d'HP. 47, tu passes à 40, 52. Tu perds un peu d'HP parce que tu as ça. Bon, c'est pas. On a vu pire, hein. On a vu largement pire, donc ça va. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Un truc qui est intéressant. Là, il a quoi? Il a rien de négatif en fait. Compétence de soins. On n'a rien qui augmente la vitesse. Hein. On a strictement rien. Moi, je dirais ça pour le moment, mais je vois pas d'autre chose en fait. Après, on a repérage et piège. Bof. Ouais, on peut lui mettre ça. Ça fait juste 25% de soins, mais il a plus d'HP et tout ça. Plus d'esquive. Tout le monde a plus ou moins de la défense aussi, de la protection. Non, il n'y en a que 2 sur 3 en fait. Sur 4. Ok, sinon on est prêt. Sinon on est prêt. Attends, là tu pourras tirer. Ça, on pourra le changer. On marquera la cible à la place. Avec dégâts et protection en moins. Ça, c'est pour taper à l'arrière. Ça, à la limite, ça sert à rien. On peut faire ça. T'es où, toi? Non, t'es tout en arrière. Oui, voilà, là oui, là c'est plus logique, oui. Ok, très bien. On changera ça pour la protection et les dégâts. Ouais. Et après on changera les skills de lui aussi. Faut qu'on enlève anxiété aussi. Ok, on est bon. Attendez, j'ai pris la bonne mission. Oui, le prophète. Alors ça, on va prendre même deux stacks. C'est dans les ruines, hein. On prend peut-être un peu trop de... Tu vois? Après, c'est pas très cher la nourriture. C'est pas extrêmement cher. Mais on a un boss, donc du coup, on lésine pas sur les moyens. Qu'est-ce qui me manque? Rien du tout. Ça sera par défaut comme ça. Et après, on changera pour le boss. Ok. This raving creature had to be silenced, but doing so proved maddeningly impossible. How had he survived the stockades, the icy waters, and the knives I delivered so enthusiastically into his back?
How had he returned time and time again to rouse the town folk with his wild speculations and prophecies? Wow. Je suis sûr qu'en fait, il a tué tout le monde. Enfin, il a dû faire des expériences. Il a dû faire plein de trucs chelous, le mec, en fait, qui nous... notre oncle ou je sais pas quoi, là. C'est incroyable à chaque fois. Oh, waouh. Alors... Non, t'es sérieux? T'es sérieux, il faut faire tout ça? Ça m'étonnerait qu'il soit là, quand même. Comment c'est loin? Il va falloir bien jouer, hein. Putain, comment c'est loin? Incroyable. J'y crois pas que ça soit aussi loin, quoi. Oups. Il fallait marcher dedans, moi. Ok. C'est étourdissant, oui. Très bien. Fais voir... Toi, viens là. Vous avez vu, il utilise l'arc et tout, c'est sympa. Alors, Ouais, ça. Très bien, riposte marque. Nickel. J'aime bien le dos, il y a pas de... C'est ouvert le dos, c'est stylé, j'aime bien. Elle est peut-être un peu trop limite sexy en fait pour... Ouh, joli. Des dégâts de merde avec lui. The slow death, unforeseen, unforgiving. A death by inches. C'est pas mal le la riposte là de lui. C'est vrai que j'utilise jamais ça. Très très bien. Vous voyez, le Nyx, il a changé aussi. Ça, ça va changer aussi. Donc c'est plutôt sympa. Tiens, le Nyx est plus cher. Ouais. Après, je suis pas sûr si j'aime bien avoir Vanguard, en fait, en skin. C'est vrai qu'il a, il a pas une masse, en fait.
Il a son couteau. Enfin, si vous connaissez Dark Souls 2. Non, non, non. Oh. Oh, la chance. Ok, cool. Parfait. Ah. Ça, c'est merde. Ouais. Quelle merde. Another abomination cleansed from our lands. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Putain. T'as fait mal, toi. Well struck. Très bien. Wow. Ah, Gwendoline, tu vas... Il va falloir que tu fasses un peu mieux que ça. Masterfully executed. Slowly, gently. This is how a life is taken. Après, je sais pas si des skins fonctionnent. Genre Gwendoline, je sais pas si vraiment ça fonctionne. Honnêtement, dans l'équipe. Je sais pas trop vraiment. Peut-être changer. Ouais, je sais pas. J'hésite en fait. Je sais pas si les skins me vont bien en fait. À la limite, je préfère lui. Je vais voir un peu. Et Gwendoline, je suis pas fan. Ah, faut peut-être s'habituer aussi. Faut peut-être s'habituer. Parce que aussi quand ils campent, ils ont une certain skin spécial aussi. Donc Even the cold stone seems bent on preventing passage. C'est bête parce que en fait, je pense que le masque il est trop dirigé vers le centre et pas assez vers la droite. C'est ça qui me dérange, je crois. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Gargouille. Toi, tu peux pas être saigné, viens. Eh merde. Je voulais mettre deux personnes qui pouvaient être saignées en fait.
sans déconner. Esquive 16, esquive 21, oui, j'avoue. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Bien. Inspiration and improvement. C'est là qu'on se buff et que qu'évidemment ils arrivent à passer. Genre on augmente notre esquive mais ça marche. Alors. Their formation is broken. Joli, maintain the offensive. Je ne suis pas à ma place ici. Merci. Faut vraiment t'enlever cette merde. Zéro. Aïe 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 aïe. Ah, vous avez vu, maintenant on en a deux. Les Onyx. Alors... Qu'est-ce qu'on a là? Un, deux... Ouais, on a beaucoup. Hein. Non, on va continuer, on va devoir avancer. Hein. The light, the promise of safety. Ah oui, ça c'est pour soigner, go, let's go, parfait. Non, 24 en moins. Très bien. Là c'est bien ça. Là on a quoi? De l'argent. Nickel. Pas mal. Cette équipe est pas mal, hein. Elle est très safe, je pense. Pas mal, j'aime bien la riposte maintenant. Devenu fan.
Bon, on fait comment pour lui là? Ah, ça y est. Il a déjà joué le Plague. Ouais, on va juste le laisser crever. Très bien. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. 6, c'est pas mal 6. Ouais, mais les blasons, c'est pas vraiment ce qui nous manque. Hein. Ouais, mais ça vaut pas cher du tout, je suis bête. J'avais un peu oublié le fait que ça vaut vraiment pas cher. Cruel machinations spring to life. Touche pas ça, merci. Eh ben putain. Wow. A fortune waiting to be spent. Sans déconner. Mechanical hazards possessed by evil intent. Ok, je peux faire. Genre, je soigne avec ça, mais après elle va vouloir manger ou pas si je campe. Vous voyez, c'est un bonfire de Dark Souls. Et lui, j'aime bien parce qu'il tient sa tête en fait dans les mains, parce qu'il est décapité en fait. Si vous connaissez pas Dark Souls 2, donc j'aime bien les dessins en fait, sont vraiment bien faits. On peut leur changer le skin pendant qu'ils... Ah oui, je vais voir un peu. Après, comme ça, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, pourquoi pas. Voir toi, les autres. Lui, là, ça aussi, apparemment, ça c'est un objet qu'on peut avoir dans le jeu. Le eye patch là. J'aime bien parce qu'il a son casque là. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, du coup, elle a mangé, elle a perdu. Non, elle a récupéré de la vie et tout ça. Bon, par contre, le stress, c'est pas fameux. Alors, on avait des trucs à enlever, donc l'anxiété à enlever, si on peut. Mais d'abord, on va regarder les trucs. Alors, les plans. On a esquive, crit, précision, vitesse. Honnêtement, je pense que c'est les deux et il nous en faut. Bouger ses pieds. Et après, annoncer un compagnon. C'est pas tout le monde. Non, non. C'est pour l'embuscade. Là, on a quoi? On pourrait enlever une maladie. Ça, je pensais pas que c'était... Ça me fait chier, ça. Je pensais que c'était pour tout le monde. J'avais pas fait attention.
Qui c'est qui a besoin de vitesse en fait? À la limite, on peut lui mettre sur lui parce que c'est vrai que. Il faut de la précision. Précision et vitesse. C'est pour ça que c'est que 3, je pensais que c'était 4. Voilà comment s'y prendre. Après, l'embuscade, je pense pas qu'on en ait vraiment besoin. Par contre, les dégâts 20%... Ah, les dégâts 20%, c'est pas vraiment utile, en fait. Alors, soins reçus augmentés... Soigne une maladie... Soigne une infection, une maladie... Là, on a uniquement sur soi. Pouvoir de l'horreur se répande. Ma santé est excellente, aujourd'hui en tout cas. Les lieux sont inquiétants, mais il n'y a rien à craindre. Le sommeil nous appelle, nous aurons besoin de toutes nos forces. On va sûrement se faire attaquer. Oh bah ici on se fait toujours attaquer, j'ai l'impression. Quand on est au haut niveau, ça y est, c'est fini quoi. C'est toujours... C'est toujours l'attaque quoi, dans la nuit. Mais après on a encore du soin et tout, donc c'est pas trop grave. Je ne refuse pas trop que ça parte en couille. Death waits for the slightest lapse in concentration. Ouh, je sens que je vais regretter. Oh que oui, je vais regretter. C'est une catastrophe. Great is the weapon that cuts on its own. Ouais, c'est un peu catastrophique là. Très bien. Mais bon. In Radiance, may we find victory. Oh, très rare. PV max, esquive. Précision, moins de boîte d'ouverture. Putain. Bon, ça vaut peut-être le coup en fait. C'est là que le boss est pas là. Ça m'aurait étonné aussi. PV max, esquive. Précision moins 2. Attends, attends, parce que là. C'est vachement bien ça, dis-moi. Comment.
Attends, comment je fais pour... Ah mais oui, je suis con. PV max. 15. Esquive. Esquive, 33, 28. Ouais, c'est vachement bien ce truc. Et là, on a chance de vertu et stress moins 10. C'est vraiment pas mal. Ah non, touche pas. The match is struck. A blazing star is born. Et après, faut qu'on change notre équipe. Bon, je suis content. Ça se passe bien. Il y a que le stress qui me fait un peu peur, mais ça devrait aller. On a du bandage, on a du bandage. As victories mount, so too will resistance. La merde, ces trucs quand même. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Ok, donc. Alors attendez, bougez pas les mecs. Donc on veut toi là. Alors là on veut plus ça, on veut. Alors, le premier buff, le deuxième buff, la protection, la ripoche, je peux pas l'utiliser, on peut mettre ça, voilà, donc là on est full buff, on a ça qui s'enclenche, donc très bon, toi il n'y a pas vraiment grand chose à changer. Toi, ça sert plus à rien. On a la marque. Là, on peut taper derrière. Non, pas la marque, je veux dire le dégât protection là. La marque sert à rien vraiment. On a ça pour faire des petits dégâts. Ça, on peut toucher 1, 2, 3. Toi, t'es bon aussi. Ouais, on est bon. Y a pas de buff à se mettre. Let's go. The madman hides there.
behind the pews, spouting his mindless drivel. Ok. Alors. T'es résistant au stun. Ça marche. Nickel. Alors. Ah, mais en putain, en cette position, tu peux pas, fais voir. Toi, tu peux pas. Non, toi, tu peux pas. Bon, c'est pas grave. On peut pas changer d'attaque. On peut pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, putain, il a résisté. Alors. Deux, ça fait mal. Precision. Très bien, plus ça dure plus longtemps. Infection. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Je sais pas si on va se prendre deux trucs ou pas. Je pense pas. Hein. Esquive, nickel. 10 et 19, très bien. Beaucoup moins de dégâts. Du coup, là, on est buffé. Ouais. Donc, on peut peut-être rester comme ça. Il va falloir soigner quand même. Très bien. Fait. Faut qu'on baisse son attaque. Qu'est-ce qu'on fait? On fait encore un truc ou on se soigne? Faut qu'on baisse son attaque. Attends. Des protections et dégâts. Très bien. Joli. Très bien, très beau. Alors, on continue l'infection. On continue le poison. C'est très propre, hein, c'est très propre pour le moment. On a vitesse et esquive. On peut mettre protection sur lui, mais ça va servir à rien, je crois, ainsi. Nickel. Ah,
10 et 13, très bien. Bien. Là, c'est sur qu'une seule personne, donc ça va. Que sur Gwendoline. Protection. Nickel. Quand c'est sur une seule personne, c'est nickel en fait. Parfait. Il le sait. Très bien. On est bon. Enfin, je crois. 23. Non, on n'est pas bon. J'ai pas augmenté ses HP, mais normalement c'est bon. Il va pas mourir, quoi. Ça m'étonnerait. Ouais, ça va. Avec tout ce qu'on a en buff, honnêtement... Nickel. En plus, même ça, il contre, en fait. Genre, il a visé Gwendoline et c'est Vanguard qui l'a pris, la prémonition. Ah bah voilà. They are ridiculous. Success so clearly in view. Nickel. Or is it merely a trick of the light? Nickel, nickel. Alors, fais voir si... Non, on n'a rien d'autre. Non, on va pas refaire. Si on n'a pas de torche, de toute façon. Non, c'est bon. Ciao. Ah bah, ça s'est bien passé. Ah, on va pas changer notre technique, hein. Je veux pas dire, mais cette technique, elle est bien, hein. On va dire que celui-là qui a fait mal, c'était le début. Ça fait un peu mal. Ça fait un peu peur, même. Résistance aux maladies à remplacer en arrière. Ah, la robustesse, maintenant. Repérage. Soins reçus, plus 20%. Par contre, il a la syphilis. Ouais, c'était pas mal. Alors, Pharam a fini, il a récupéré du stress, pareil. Manaya a atteint l'illumination. En ville, ne peut que méditer pour soi. Okay. Nickel. Super. Personne de niveau 1. On a récupéré un très très bon objet. Donc c'est précision et critique. On perd en esquive par contre. Pas trop un problème. Ça dépend pour qui en fait. Ça dépend largement pour qui. Donc on a déjà quelques personnes niveau 5. Ça c'est bien. Toi, t'es passé à robustesse, ce qui est, ouais, ce qui est bien. Infirme, ça c'est un problème. Y'a qui a eu un truc vraiment bien? Genre, c'est Vanguard. Ouais, je crois, c'est ça, prodige. Soins reçus, plus 20%. Ah, pour lui, oui, c'est un peu... Oui, c'est top, quoi. Bah, du coup, oh, putain, Molesse, c'est devenu... Oh, fait chier, on va devoir payer, quoi. Ah, ça, c'est chiant, ça.
c'est un peu chiant. Et on garde prodige. Soin reçu, 20%. Putain, ça fait cher. Ça fait méga cher, mais bon, on profite. Je vois un peu le stress. Ah, attends, déjà on va faire ça. Là on a pièce de combat pour les champions. Ah tiens, c'est l'anneau robuste, ça c'est pas mal ça. Pas mal. Là on a quoi? Champion, relique sacrée, la Toussaint, événement urbain, ça c'est cool. Stress moins 20. Après on a des événements ou pas hein? Non, on a que là, ça peut être encore la Toussaint. C'est pas mal ça. Pour le stress. 1700. Putain. 2000. Mais c'est méga cher, dis-moi. With enough ale, maybe they can be inured against the horrors below. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. Et là on a deux... Oui, on en a trois même. Ok, c'est cool. J'avais pas vu qu'il y avait un... Ah, c'était écrit. On en a trois. Et on n'a pas de soins. Niveau 1, c'est bien. 1700. Et là... Là c'est pareil. 13 000. Gwendoline, t'es niveau 4, toujours. On peut encore t'utiliser. Après, qu'est-ce qu'on a? Loge, il est bon. Ouais, ça va. Ça va, on a vu pire. Faudrait qu'on ait deux places pour la psychiatrie. Ce serait vachement utile. Esquive et vitesse. Oh putain, de moins de 10 en précision, oh la vache. Ah non merci, ça ira. Bon, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je fais une pause et je continue? Je finirai l'épisode de la prochaine fois. Je crois que je vais finir l'épisode la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a du 1, 2 et 3. Tiens, il y a du 1 en long. Je crois qu'on va faire du 3. On n'a pas de boss de toute façon. On n'a pas de boss. Ça, on peut pas le faire encore. On n'a que 3 personnes. Ceux-là, ils veulent pas y aller. Ah si, ils peuvent y aller. Ah. Ah oui, ils peuvent y aller les quatre là. Ok, ça peut être intéressant. Protection et PV max. Là c'est faire les combats. Là ça c'est quoi? C'est juste stress plus moins 20. C'est intéressant. Le jour où on récupère un soin... Genre de niveau 1. On fera ça. Hein, parce que je veux le tester. Je voudrais débloquer des bâtiments. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire ça. Bon, pas la prochaine fois, parce qu'il faut vraiment que je me repose, que là, j'en peux plus. Anneau au niveau 4, ça va être chaud. Oui, du coup, toi, t'as pas trop stressé.
Ah oui, il y a ça que je voudrais loquer. Esquive si les PV sont en dessous de 25%. Parce que ça peut être utile. Parce que quand il est en dessous des 40%, en fait, il a un buff là, où il a moins 20 en esquive. Et avec ça, du coup, on pourrait le contrer un peu. Et en théorie, on pourrait avoir un peu d'esquive. Donc, je sais pas, ça peut être intéressant. Mais ouais. On peut peut-être faire un run niveau 5 champion. Je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que je sens que ça va être la merde. Ah non, on peut pas faire ça, c'est vrai, parce que lui, la lance. Non. Lui, il peut pas tirer de près. Très bien. Je sais jamais comment faire mon équipe. Ça. Il faut plus de dégâts en fait. Je sais pas trop. Bon flic, mauvais flic. Je crois que ça peut être bon comme ça. Une équipe de 4 et de 5. Je pense que ça peut être potable. Et on fait un champion, on testera, peut-être. Si je me rappelle de ce que j'ai prévu, déjà, de 1, et si je me sens d'attaque. Ça, toi on va te jouer juste en tank normal. Toi tu es là pour stun et tout ça comme d'habitude, et toi t'as le soin. Alors après on pourrait faire un truc comme ça. Non, parce que lui il va reculer et tout. Non, on peut pas. Ouais, bon flic, mauvais flic. Bon flic, mauvais flic, c'est très très banal, mais ça marche très bien. Très facile. Ouais, on fera ça la prochaine fois. Voilà. Moi, je vais me reposer et on finira l'épisode. C'est bête qu'il n'y ait pas de soins là. Pour le stress, peut-être qu'on peut envoyer Gwendoline en stress. On a notre équipe encore, oui, on a notre équipe. Gwendoline. 1200. Ouais, pourquoi pas. 40 de stress, c'est pas beaucoup quand même. Non, 40 de stress, c'est pas beaucoup. C'est un peu de l'argent foutu en l'air. On n'en a pas. On n'a pas beaucoup. Ou alors on fait un run argent. Tu vois, un run argent? Sur quoi? Il nous faudrait au moins ça. Là, on a un cours. Après, là, on a un niveau 1.
Ah, à la limite, on peut faire peut-être un jeu argent. Un run argent. Un run argent. On a du soin. Run argent, on a du soin. On a L. Après, on a. On peut prendre Giant Dad. Genre Ornstein. Non, Pepper Ornstein. On peut prendre Druel en tank. On se. Attends. C'était où? Un run argent. Genre ça là. Un run argent court. Donc ça serait. 1, 2, 3. Et après un DPS. Et après un DPS au choix. Ouais, on fera peut-être un run argent à la place. Pour se remettre à d'aplomb. Aïe. Non mais je sais, pas toi, c'est là. Niveau 3, nickel. Et après, un DPS. Il paraît qu'intimider, c'est vachement bien aussi. Mais bon, je trouve pas. Ah oui, ça descend les dégâts et la vitesse. Ouais, bof. Ouais, fera un run argent. Très bien comme ça. C'est nickel. On peut pas taper en arrière par contre. Ah merde, c'est vrai qu'on peut pas taper en arrière. Aïe. Le Dark, il est 2. Peut-être avec ça. Ouais, peut-être pas mal. On a quand même des attaques. Qui sont à 2. Qui sont à 3. Rang 3 au moins. Genre ça, on augmente. Ça. Le saignement, il monte à 3. Ça, c'est quoi? Vite sans, c'est pas intéressant. Ça, ça fait un debuff. Ça fait un debuff aussi. Ah, elle a un étourdissement. Je ne savais même pas. J'avais même jamais fait gaffe. Un étourdissement x2 à l'avant. Intéressant. Ah, mais ça met un debuff encore sur soi, dégâts moins, vitesse moins. Oh là là, putain, qu'est-ce que c'est chiant ces trucs-là. C'est pour ça que j'aime pas trop les. C'est quoi, des furies ça? Des furies. C'est pour ça que j'aime pas les furies en fait. Tout simplement pour ça. C'est parce que tous les trucs comme ça, là, qui sont potentiellement vachement bien, ça met des malus. Genre sur soi, dégâts moins 20, vitesse moins 3. Dégâts moins 10, vitesse moins 1. Dégâts moins 20, vitesse moins 3. Après, oui, bon, oui, c'est bien, ça stun 2 cibles à l'avant, mais. Ouais, j'aime pas du tout.
ça c'est du 2000. Ouais, on va garder le reste. Ouais, ça suffira. Allez, on va s'arrêter là. Je finirai après. Désolé, j'ai mis un peu de temps et tout, mais bon. C'est comme ça qu'on n'a pas trop le choix des personnages. Il faut un peu gérer ce qu'on va faire. On n'a toujours pas trop d'argent, donc il faut aller... on va faire un peu des runs avec elle. Surtout qu'elle est niveau 3, donc si on peut commencer à l'amener en fait dans des petits runs qui sont niveau 3... Enfin, je dis niveau 3, c'est quoi vétéran et après champion, ça serait vraiment bien. Genre des cours vétéran et champion. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant d'en faire plusieurs comme ça rapidement. Ou alors des moyens à la limite. Mais ouais, ça peut être vraiment cool. Tout de suite sûrement. Je vais couper et je reviens après. On est de retour. On est de retour. Donc c'est la deuxième partie de la vidéo de l'épisode. Donc on avait déjà préparé une équipe, je crois. Ok. Donc on a quoi? On a du niveau... De 3 à 2. De 3 à 2. Avec elle qui va faire tanker notre Giant Dad. Je crois. Ça. Quoique. Attends, toi tu as besoin d'être. Ouais, t'as besoin d'être en face. Sur soi, marque. Dégâts moins. Ouais, ça touche partout. Mais ça fait quelques dégâts, je crois. Ça se fait pas grand chose, en fait. Je sais pas si c'est vraiment très utile. Ah, mais non, mais il faut être devant. Merde. Bah, du coup. Ah, parce qu'elle faut qu'elle soit devant parce qu'elle peut toucher la personne en arrière en fait. Donc c'est. Bah c'est utile, tout simplement. Ok. Ça devrait passer pour. Ça devrait passer pour équipe. Alors on avait dit qu'on voulait faire donc du 2-3. Oui, c'est ça, 2-3. Donc c'est du vétéran. PV max 20%. C'est pas mal ça. Alors. Occultiste, dégâts et stress. Ah, c'est pas mal l'anneau solaire ça. Dégâts et précision. Ah. Là, on a des bons trucs là. Évidemment, on a des bons trucs en même temps, quoi. Ça, c'est chiant. Là, qu'on a PV max 20% contre vitesse 1. Honnêtement, je trouve ça super potable. Après, je dirais peut-être que l'anneau solaire est plus intéressant. Ouais. Alors, allez, vas-y, on va faire l'anneau solaire. On va faire l'anneau solaire. Alors. On a protection PV. Ouais, non, mais non, toi, tu as. Donc, vitesse, t'as ça. Et il est où le truc pour ça? Protection. Très bien. La précision est critique. Pour les lépreux. Et après, on a. Ça. Ou alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas mal ça. PV et esquive. Précision crit et esquive en moins. Qui c'est qui a pas d'esquive?
de base. Et toi qui n'as pas d'esquive. Du coup, précision, crit. Crit, précision. Et là, c'est précision, crit. Toi, tu as de la protection. Et c'est toi qui vas tanker, donc tu vas te prendre de la protection et de l'esquive en plus. Est-ce qu'on peut pas te mettre un truc qui est un peu mieux? Là, c'est 10 et 5. Là, c'est mieux. À la limite, comme ça, c'est mieux. Après toi, on peut te mettre... Ah, mais c'est pour lépreux. Ouais, non, mais... Ça fait chier. Crit 8, précision... À la limite, on peut faire ça. Papalala, pam pam. Est-ce qu'on a un truc pour les furies? Je crois pas qu'on ait quelque chose de spécial pour les furies. Esquive en moins et on a dégâts plus 10. Arrêtez de parler les mecs. Dégâts 25%, mais bon, les PV ils en prennent un peu un coup. Mais ça m'a l'air potable. Ah, je pense que le stress, vous allez en bouffer hein, du stress, hein, les mecs. Je crois que vous allez en bouffer du stress. Faire celui-là. Alors, ça, c'est dégâts. Dégâts 1 en position 1. Tous les compagnons s'y attaient. On s'en fout. Groupe, précision moins, stress moins 1%. Critique plus 10. Affûtage de lame, ça c'est pas mal. On a que 5. Oh, on a que 5000. Merde. Oh là là, c'est parti où tout mon argent, le bordel? Ouais, on est bon. Aïe, 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 aïe. Trois. On est où? On est dans les ruines. Dans les ruines. Qu'est-ce qui me manque? On a les pelles, les clés, on a les différents trucs. On a pas mal de torches cette fois. Let's go! Let's go! Espérons que ça marche bien. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Waouh, ok. Bon, on peut déjà sortir honnêtement. Ok, très bien. Ah, c'est toi qui... en premier. Bizarre. Très bien. Hey, Giant Dead. Nul. Nul, nul, nul. Oh. Oh la vache.
Well, what is it? Si vous connaissez pas Giant Dad, regardez. Allez regarder sur YouTube, vous tapez Giant Dad, comme le nom, hein, comme ça. Et c'est la vidéo de Only Afro. Vous verrez ça. C'est vraiment cool. Vraiment drôle. Mais putain! Après, j'ai pas mis de résistance de stun augmentée en fait. Donc, dans un sens, c'est un peu normal. Ok, très bien. Back to the pit. J'aime bien, c'est là que je lui mets. J'adore quand je leur mets. Ah, quoique, peut-être qu'il l'avait pas. Il l'avait pas, peut-être. Saignement, très bien. J'allais dire, c'est quand je mets le malus qu'il arrive à nous toucher, mais en fait, je crois qu'il l'avait pas. Il est un peu relou à tuer lui par contre. Ça va. Va falloir qu'on soigne le stress un peu. Bien. Ah ah! Alors. Descendre d'un défunt. J'ai pas d'eau bénite! Pour ça qu'il me manquait un truc. Putain, mais quel con. J'ai pas pris d'eau bénite du tout. Oh là là. Quel idiot! Combien de dégâts ça? 10 à 20. Putain, tu fais des bons dégâts toi, hein, de base, hein, avec ça. Hein. Ah, c'est impressionnant. Aïa! Aïa! Mais nique. Non, désolé, faut pas que je m'énerve. Faut pas que je m'énerve. Continue the onslaught. Destroy them all. The wounds of war can be healed. But never hidden. Ringing ears. Oh la vache. Stop les crits. Sans déconner, stopper les critiques quoi. Vous êtes genre pas drôle en fait avec vos critiques. On n'est pas devant, on n'a pas l'habilité. Voilà. Et merde. Mon dieu, 30% et on n'a pas résisté quoi, c'est ouf. Ça fait quoi ça, dégâts et précision? Formation is broken. Maintain the offensive. Ah, niveau niveau stress, ça y va. Alors, ça c'est quoi?
Le sang, on va dire qu'on n'a pas besoin pour le moment. C'est quoi faire du combat ? Ouais. Ça va, notre équipe est bonne. 65, 40, 55. Très bien. Tu vas nous faire chier, évidemment. Obliterated. Ah merde, je voulais l'attaquer, quoi. Tu me fais chier. Du coup. Oh mon dieu. En plus. Catastrophique. Alors attends, tu peux faire un truc toi à cette position? Non. Mais sans déconner quoi. Aïe aïe aïe, ils vont me faire chier d'une force. T'aurais pas pu le tuer. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ok, c'est déjà ça. J'aime bien ce qu'on la voit sans son masque quand elle fait la magie, c'est marrant. Joli. Adversity can foster hope and resilience. Ouais. Tiens, putain, c'est maintenant qu'on fait un critique, quoi, c'est ouf. Très bien. Je suppose que je dois être reconnaissant d'avoir survécu. Ah, oh, du coup, vigueur, c'est quoi? C'est un régène? On peut pas voir. Ça, c'est sympa, ça. Il y a Ornstein, faut qu'il fasse des dégâts.
Ok, ça va. Tu verras au prochain coup. Pouvoir soigner un peu plus. Très bien. Bon bah ça va. On a... Destroyed. Tu fais toujours des critiques quand on peut facilement tuer, j'ai remarqué. Je sais pas si tu fais exprès, mais c'est quand même un peu chiant. Hein, je vais être honnête. C'est quand même un tout petit peu chiant. On a dit qu'on fait un run argent. Run argent, pas trop. C'est pas vraiment en gardant ça. Putain, on n'a pas de, d'eau bénite pour ça. Oh là là, quel nul. Quel gros nul. Ouais, il nous faut de l'eau bénite. Ah là, là c'est un peu catastrophique. Enfin c'est pas catastrophique, c'est juste très très con en fait. Vraiment très con. Six. On va camper ici, je crois. The match is struck. A blazing star is born. Ouh. Huh. On pourrait avancer. Après, on retourne dans la salle. Alors, on va là. On campe. Enfin, pourquoi j'ai besoin d'aller là? Bah, pour faire ça, en fait. On campe ici, après on retourne dans la salle, après on revient, après on descend, on monte, et après on fait ça. Je crois. Bien joué. Ancient traps lie in wait, unsprung and thirsting for blood. Et là il y a quoi? 1, 2, 3. Caisse de combat. Donc 1, 2, 3, 4 à la limite. 5. Ouais, on devrait être bon. Ouais. De toute façon, il nous faut un peu de la place quand même. Ou alors on descend. Ouais, mais après il faut revenir en arrière pour la porte secrète. C'est assez relou. Si je fais ça, on campe là, on revient. Ah mais il y a ça là, il y a un curio ici, ça peut être pas mal d'argent. On va camper. On va camper avec Giant Dad et Ancien, ça il a une âme dans la main, c'est marrant. C'est super cool. Alors, on a... Ah, on peut pas... Merde, elle a pas la protection pendant la nuit. J'avais pas fait attention à ça. Précision et critique. France guerrière. Après, je pense qu'on va faire ça.
Après, précision et esquive pour un compagnon. Toi. Il nous reste 3 à faire. Alors, un compagnon, la défense, ou après une breloque. Non, on va mettre ça. Mon épée et ma fidèle alliée stoïque face à mon image. Et voilà. Alors, on paraît qu'on va se faire attraper. On va se faire attraper pendant qu'on dort. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Vu qu'on a pas mal de torches, on va en profiter. On va en profiter pour éteindre la torche. Pour ouvrir ça. Darkness closes in, haunting the hearts of men. Waouh, c'est un peu de la merde, dis-moi. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow. On n'a rien eu de nouveau en fait, de plus, je crois. Je vais être honnête, je crois qu'il n'y a rien de nouveau. Alors... Ça, je crois que c'est juste un buff. Ou on a besoin d'eau bénite. Je me rappelle plus si on a besoin d'eau bénite. Sinon, je le touche pas. On a besoin d'eau bénite. Ouais, on a besoin... Putain, fais chier. Ah, j'ai merdé là pour l'eau bénite. Hein. J'ai complètement zappé, quoi. J'avoue, je suis un peu deg là pour ça. Ouh, joli. Comme j'ai dit, c'est pour ça que j'aime bien son coup. Ouais, ouais, il a un régène. Ouais. Decimated. Confidence surges as the enemy crumbles. Ah, surprends-les, bordel. Très bien. Tu vas faire combien de dégâts toi avec sur lui hein? Ah c'est con que tu passes pas en premier en fait. Sinon j'aurais fait ça. On va essayer de faire en sorte qu'on est sûr de le tuer. Je vais voir combien de dégâts tu fais. 12 à 24. Ouais, tu l'aurais pas tué. Enfin là t'as fait 23 mais oui on a une chance de pas le tuer quoi. Quickly the tide turns. 14. Chaud. Un
Vous faites chier un peu de vous protéger comme ça, c'est pas drôle. Ah oui, c'est celui-là qui est protégé. C'est... Oui, c'est... moi je le lisais à l'inverse. Pas parfait. In Radiance, may we find victory. On soignera la prochaine fois. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. 700. On peut utiliser les herbes médicinales. Les herbes, je crois qu'elles servent pas à grand chose ici. C'est surtout dans l'autre zone là avec les poissons, je crois. Valeur unitaire. 750. Contrat, c'est rare. Les blasons, on en a déjà pas mal là. On a 24. Ou alors on fait full blason peut-être. Full blason, parce que les blasons, on en a besoin. On peut les convertir si jamais. Celles qui valent plus vite, mais ouais, bah d'accord. Ça marche. A singular strike. Be gone, fiend. Très bien. Ah, quand ils sont buffés, ça passe bien, hein. Faut l'avouer, hein, quand ils sont buffés, les mecs, tranquille. Hein. Les dégâts sont bons. Ça se passe plus ou moins bien. Alors, on va finir les grandes salles d'abord, après on verra pour le reste. Là, toujours pas d'eau bénite. Putain de merde. Ça c'est 1200. Qu'est-ce qu'on fait? On bouffe? Non, on risque d'avoir faim. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Voilà, bien ce que je pensais. The light,
the promise of safety. Okay. Très bien. Ah, on les a pas surpris. Non, lui montre pas le stress, honnêtement, parce qu'on pourrait vraiment repartir en bataille, quoi. Elle est pas mal cette équipe. Elle est pas très compliquée, elle est très simpliste. Elle est très très simple. Il y a vraiment rien de compliqué dans comment jouer. Mon dieu, il lui manque un point. Ah, je crois qu'elle a la marque du soleil de Dark Souls sur le livre quand elle fait les animations. Qu'est-ce que tu nous fais chier, toi? Incroyable. Je suppose que je dois être reconnaissant d'avoir survécu. Ça allait bien arriver. Oh, puissance. Anger is power. Unleash it. T'es sans déconner. J'allais faire ça en fait sur lui. Putain. Tiens, protège ça. Évidemment. Ah, j'aurais dû faire l'autre. Bon, ça l'a étourdi. Ça va. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Quoi tout ça? La victory nonetheless. Précision esquive. Un peu de la merde. On a besoin d'une clé pour ça. Nickel. Est-ce qu'on doit retourner en arrière? Pas vraiment. Il y a un combat là et un curio. Mais on n'est même pas sûr de pouvoir l'ouvrir. And now, the darkness holds dominion. Let's go. C'est de la merde. À la limite, on enlève le sang. Ouais, full argent. Bon, bah l'équipe est pas mal. C'est pas la meilleure, mais elle est pas mal.
reclaim what is ours. On va dire qu'il y a des petites lacunes et ouais, c'est pas parfait quoi, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Pas mal. Donc on a fait 30k et un anneau solaire. L'anneau solaire est vraiment cool. L'anneau solaire est sympa. Alors, on faisait quoi? Stress contre les impies. Dégâts moins 20. Ouais, ça c'est un peu relou. Ouais, non, c'est pas très potable. Très potable ce qu'on a eu. A fresh irritant, the sum. Alors, traité, attribut supprimé, moleste très bien. Suivi thérapie enfant, ça fait prodige, permanent. Nickel. Je suis très... Ouais, je suis très content. C'était bien, on a fait... On a 37 000 maintenant, c'est bien. Puis on a des trucs qui sont pas... on peut vendre. Donc ça c'est sympa. Du coup t'es 4. C'est quoi ça? Très rare. Résistance au coup fatal, 12%, stress moins si torche inférieure, chance de vertu si torche inférieure. Donc ça c'est pour jouer la nuit. Ok, on n'a pas de boss. Ah oui, attends. On a un mec niveau 1, on a une abomination niveau 1, ce qui est pas mal, mais nous on a une abomination avec des bons trucs, je crois. Ouais, nous elle a mêlée et distance, donc à la limite c'est pas très... Après bon, d'accord, oui, on a l'armure augmentée, on a une quatrième habilité, on a toutes les habilités niveau 2. C'est vrai que c'est chiant quoi. Après, est-ce qu'on prend une autre abomination? J'en sais rien. Je sais pas si j'aime pas trop le... J'aime pas trop la classe, en fait. Ouais, non, j'aime pas trop la classe. Je comprends pas vraiment ce qu'elle apporte. Je dirais des gros dégâts, mais... Bah, bof. Bon. J'aime pas vraiment le style. Voilà. Ouais, j'aime tout simplement pas vraiment le style en fait. C'est, je vais être honnête, c'est ça. Parfait. Niveau stress, il y a Vanguard. Faudrait qu'il déstresse. Ouais, il y a Vanguard. Vanguard, il aime faire quoi? Méditation? Méditation. Mais la réduction de stress, on en a 15, il nous en faut 15. Après, peut-être qu'on devrait garder pour la forge, honnêtement, les trucs. Genre, l'arme ne rend 4 déjà. Si on fait ça, est-ce que dans la... On fait voir. C'est formation et forge. Formation, c'est quoi? Ah oui, formation, c'est les habilités. Ouais, c'est des trucs qu'on n'a pas, quoi. Bien. La méditation, on peut le faire, on peut l'augmenter. Alors... Mais bon, on va peut-être garder ça de côté pour le moment. Je pense qu'un coup de ça, ça suffira. Par contre, t'as quoi comme maladie? Ah oui, putain de merde, quoi. Ouais, mais ça, on peut peut-être à la limite l'enlever en campant. En camp, ouais, on va camper et on l'enlèvera.
très bien. Donc on va s'arrêter là, mais je veux voir si on peut pas repartir en fait en coup là. Par contre, il y a Ornstein qui est 4. Là, il y en a quoi? Ah oui, le bouffon, il y a ça qui est vachement bien. On en a déjà un. Pour l'arbalétrier, de la pression et du critique. C'est quoi ça? Expérience de détermination, plus 50%. C'est pas mal ça. Ah mais c'est un long. Mais c'est intéressant. Là on a quoi? On a... Oui non ça, c'est pas vraiment intéressant. Là pour bandit. Ça c'est... Ouais mais bandit mêlé. Tueur de bêtes, ça peut être intéressant. Alors, uniquement pour furie, critique si torche un... Ah oui, mais ça c'est quand il fait nuit, quoi. Bah, Anano, tueur de bêtes, à la limite. On a déjà un, mais bon. Si on va dans un endroit où il y a beaucoup de bêtes, il faut que je me marque sur chaque partie, de genre ruine. Je sais, c'est les squelettes, donc c'est les impies. Et il y a aussi des humains, parce qu'il y a des bandits et tout ça. Mais il faut vraiment que je me note ça dans un coup. Parce que je vais jamais réfléchir. Genre là, je sais pas ce que c'est, par exemple. La tanière, c'est quoi? La tanière, je crois que c'est... Le wheel, c'est avec l'eau. C'est avec les poissons et tout ça, je crois. La crique... Ou alors c'est la crique. Non, je sais pas. Non, j'arrive pas à les différencier. J'arrive pas à les différencier, c'est une catastrophe. Aïe aïe aïe. Alors après, est-ce qu'on peut faire 1, 2, 3, 4. On peut faire du niveau 5 aussi. Mais je crois qu'on va se concentrer sur le niveau 3. On va faire... La prochaine fois, on va faire ça. On va faire l'anneau tueur des bêtes là. Dégâts en moins, c'est pas grave. Score but, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un d'autre? Genre... ça, là. Parce que ça peut soigner avec les sensus. Ça soigne les maladies. Ah, mais du coup, il faut elle. Il faut absolument elle, en fait. À la limite, on peut augmenter lui. Les niveaux 3, ils peuvent pas aller là. Hein. Ouais, il nous faut au niveau 2. On va faire mon expérience. Oui, oui, il faut niveau 2. Ouais. Donc les 3, on peut les monter à 4 en fait. Ouais, la prochaine fois, on verra ça. Peut-être qu'on va changer. On va faire comme ça. Parce que là, on va pouvoir saigner. Il est où, Ornstein? Elle a un peu trop de stress, ça m'embête. Elle est résistante, hein, du coup, hein, putain. Lui, il prend beaucoup de stress aussi, je sais pas pourquoi. Ouais, stress 10%. À la limite, on lui enlève ça, fais voir un peu. Ouais, c'est parce que c'est critique, précision. Ah oui, mais là, c'est quand il fait les attaques, en fait, critique, précision. Ouais, on lui enlève le fait qu'il cumule trop de stress, comme ça sera plus simple pour jouer. Et toi, on va te mettre... la protection. Et le stress, toi, tu peux l'enlever quand on se repose, alors c'est pas très grave.
Alors, dégâts et précis. Ah, attends, oui, on a ça. Dégâts 10, précision 5. Oui, on a l'anneau solaire maintenant. Bon, c'est pas mal. Si j'enlève ça... Alors, on n'a pas vraiment assez de... Ouais, on va faire ça. La prochaine fois, on va faire cette équipe-là. On va faire encore un run de... argent. Un run argent. On va voir si on doit augmenter les trucs. Alors, ça... Alors, on le garde en position... Ah non, du coup, on n'a pas besoin de le mettre en position 1. Lui, on n'a pas besoin de le mettre en position 1. Il peut rester en 2. Et lui, du coup, il devient en position 1. Donc, position 1, on a... la purge, qui peut être intéressante. Il y a intimidé aussi, qui peut être intéressant. Mais ouais, on a ça, c'est très bien. Donc purge. Ça. Très bien. Voilà. On a balancé 5000, mais bon, ça valait le coup. Ah ah! Après, je sais qu'on peut faire, par exemple, des événements. Genre la Toussaint. Bon, la Toussaint, c'est pour le stress. Maintenant, ça, je sais. Après, il y a d'autres événements. Ben là, il n'y en a pas. Il y a d'autres événements, je sais. Genre la forge moitié prix et tout ça, je crois, on m'a dit. Des trucs comme ça. Mais bon. C'est pas... On l'a pas disponible et puis on va pas attendre en fait de monter de niveau pour les armes. On monte les gens en fait qu'on utilise parce que si on le fait pas, on va être un peu dans la merde. Ils vont se prendre des baffes. Ils vont mourir et on va être dans la merde. Alors, si pieux, un compagnon. Empêcher les embuscades. Ouais, il y a les embuscades en fait qui me font chier. Je sais pas ce que c'est une provision. C'est quoi? C'est de la nourriture ou c'est autre chose? Alors, empêcher les embuscades. Par contre, notre groupe a pas vraiment de trucs intéressants pour le groupe en fait. Pour camper. C'est vraiment nul. C'est vraiment, vraiment nul. À la limite, ça, il faudrait le faire plus souvent, la quarantaine, parce que ça, je le fais jamais. Mais ça peut baisser le stress des autres assez facilement. Ça c'est un point, ça oui, ça c'est pas mal. Ouais. Parce que des fois on fait pas des nombres pairs, donc il nous reste un point, donc voilà. Du coup on en a 4, ouais, 4, 4, 4, 3. Celui-là on l'utilise pas. Voilà, ce sera tout pour notre épisode. On continuera, on fera encore un peu d'argent, je suis content, ça se passe bien, on a pu monter genre tout ça de l'armure. Les habilités. Quoi d'autre? On a eu des bonnes babioles.
ils sont tous équipés. On a eu des bonnes babioles. Euh, 38 blasons et tout ça. Et on a, il nous reste encore 17 000 d'argent. Donc extrêmement bien potable. Très 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 rentable et tout ça. C'est bien passé. Toi t'as 44 de stress. J'ai bien envie de te faire baisser le stress en fait. Mais bon, c'est pas trop. 44 de stress, c'est pas énorme, mais ça coûte cher, non? C'est par rapport à leur 1200 pour faire déstresser lui. Putain, ça fait méga cher quand même. Ouais, non, ça va, on se débrouille. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao, on fera un run argent, je pense encore. Ciao!